tu crois, tu fais le mot, tu marches. Repends-toi. Repends-toi. Si tu es encore dans la maturation, tu marches selon le monde. Repends-toi. Repends-toi. Si tu vois encore, tu voles encore, tu marches selon le monde. Repends-toi. Repends-toi. Repends-toi ce soir. Repends-toi. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont comptés. Les temps sont finis. Tous les jours on crie. Tous les jours on crie. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que les choses vont se passer en un très bien. Vérité. Vous vous souvenez de Noé et de Sodome. C'est là que tout est écrit dans la parole de Dieu. Le temps de Noé, le temps de Sodome. Et ça, c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, le monde est mélangé. Le monde est mélangé. On ne connaît même pas les chrétiens. On ne connaît même pas les musulmans. Tout est mélangé. Vérité. Parce que le péché est surabondé. Bien-aimé, réponds-toi. 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 Tu connais tes péchés. Tu connais parce que nous, on était créés par l'Esprit de Dieu. Et si tu fais le mal, le Seigneur lui-même, il te dit, tu as le cœur. Si tu frimes, ta personne te dit, il faut laisser. Mais tu n'as pas envie de laisser. Sans Jésus, tu ne pourrais pas laisser. Vérité. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle ce soir. C'est lui seul qui peut te délivrer. Jésus t'appelle. C'est lui seul qui peut te délivrer de cigarettes, de la masturbation, de la pornographie. Vérité. C'est lui seul qui peut te délivrer. C'est lui seul. Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle ce soir. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Quitte dans le raisonnement, je suis musulman. Quitte dans le raisonnement. Quitte dans le raisonnement, je suis musulman, je suis catholique. Quitte dans le raisonnement. Bien-aimé, c'est le moment pour toi de poser beaucoup de questions. C'est le moment. C'est le moment pour toi, il n'y a plus du temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus du temps, les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Oui, si on dit les temps sont finis. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui. Les temps sont finis comme ça. Les temps sont finis. Si on dit les temps sont finis, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Les petits enfants, ou les grands, les vieillards sont morts aujourd'hui. On ne peut pas compter, on ne peut pas compter les morts aujourd'hui. Les temps sont finis comme ça. Les temps sont finis. Si tu es encore sur la terre, si tu es encore vivant, c'est le moment pour toi de poser beaucoup de questions. C'est le moment pour toi d'abandonner le péché. Abandonne ce monde. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Vérité. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus. C'est Jésus. Et Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. Le royaume des cieux proche, bien-aimé. Le royaume des cieux proche, bien-aimé. C'est le moment pour toi d'attacher à Jésus. C'est le moment pour toi d'abandonner la religion. La religion ne pourrait pas te sauver. Vérité. Je te dis la vérité. La religion ne pourrait pas te sauver, non. Vérité. Si tu es chrétien, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, cela ne pourrait pas te sauver. Vérité. Oui, Jésus prend 7 ans. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu ne pourrais pas rentrer dans le royaume. Vérité. Oui, si tu es chrétien, tu es encore dans les choses du monde, tu ne pourrais pas rentrer dans le royaume. Vérité. Si tu es chrétien, tu es encore dans la masturbation. Oui, tu es encore dans les cigarettes. Tu ne pourrais pas rentrer dans le royaume. Vérité. Parce que Jésus-Christ est saint. Il veut que tes enfants soient saints. En esprit et en vérité. Bien-aimé, c'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi d'abandonner le monde. Abandonne ce monde. Abandonner le monde comme il a dit dans 1 Jean 2, verset 15. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Aujourd'hui, les chrétiens, qui se disent chrétiens, ils sont dans les églises, ils sont encore dans le monde. Bien-aimé, c'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi d'abandonner le péché. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main ce soir. Jésus t'appelle. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle. C'est le moment pour toi, bien-aimé. C'est le moment. C'est le moment pour toi, bien-aimé. C'est le moment. Si tu es encore dans la cigarette, crie dans la cigarette. Parce que c'est la mort pour toi. Abandonne la cigarette. 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 J'ai le chant, c'est le moment pour toi. C'est le moment. J'ai le chant. Le Seigneur n'était pas créé que tu fumes cigarette.
Vérité. Le Seigneur ne t'a pas créé que tu encore dans la masturbation. Vérité. Le Seigneur ne t'a pas créé que tu encore dans les choses mortes. Vérité. C'est le moment pour toi. C'est le moment. C'est le moment pour toi d'avoir quelque chose. Oui, bien aimé. C'est une occasion pour toi ce soir. L'occasion t'est donnée. Si tu mets dedans, si tu mets des cigarettes, si tu mets de la pornographie, si tu mets de la masturbation, si tu mets dans le mensonge, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Vérité. Tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Tu ne pourras même pas. Bien aimé, l'enfer est réel. Bien aimé, l'enfer est réel. Je vous dis la vérité. L'enfer, il est réel. L'enfer existe. Existe, il est réel. Et c'est le moment pour toi de ne pas rentrer dans ce moment-là. Bien aimé, viens à Jésus. Viens à Jésus. Bien aimé, viens à Jésus. Viens à Jésus. C'est le moment pour toi. C'est le moment. C'est le moment pour toi. C'est le moment. C'est le moment pour toi. C'est le moment. Le royaume des cieux est proche. 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 Repentez-vous. 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 Repends-toi de ce moment. Repends-toi. 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 Repends-toi de masturbation. Repends-toi. Repends-toi de mensonge. Repends-toi. 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 C'est le moment pour toi. Toi, jeune garçon, tu es encore dans le coma. Bien aimé, abandonne cela. Jésus-Christ n'est pas dedans. Vérité. Il n'est pas dans ces choses. Vérité. Si tu es encore jeune, c'est le moment pour toi de chercher le véritable. Si tu es encore jeune, c'est le moment pour toi de chercher Jésus. Il n'y a pas la vie dans ce monde. La vie se trouve en Jésus. Vérité. Il n'y a pas la paix dans ce monde. Oui, la paix se trouve en Jésus. Vérité. Il n'y a pas la paix dans ce monde, mais l'amour se trouve en Jésus. Vérité. Il n'y a pas la joie dans ce monde, mais la joie se trouve en Jésus. Vérité. Il n'y a pas la vie. Je te dis la vérité. Il n'y a pas la vie dans ce monde. Si tu veux fixer ton regard sur ce monde, tu vas mourir. Vérité. Tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Vérité. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Il a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour toi. Mais aujourd'hui, si on dit Jésus, Jésus-Christ est Dieu, toi tu te déchets. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. Comme tu es musulman, Jésus n'est pas Dieu. Si tu mets dans ces choses, tu ne pourrais pas hériter le royaume des cieux. Pose-toi la question si tu mourras ce soir. Si tu mourras ce soir, où passera-t-il dans l'éternité? Bien aimé, si tu mourras ce soir, où passera-t-il dans l'éternité? Parce que bon nombre de personnes sont mortes. Bon nombre de personnes aujourd'hui sont mortes. Ils sont partis. Ils sont partis. Où ils sont? Si la vie ne comprend pas la parole de Dieu, ils sont en enfer. Mais toi, le Seigneur t'a fait la grâce. Le Seigneur t'a fait la grâce, tu es encore là. Tu es encore là ce soir. C'est le moment pour toi d'abandonner le péché. Il est temps. Il est temps pour toi d'abandonner le péché. Il est temps. Bien aimé, viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus, afin qu'il sera content pour toi. Viens à Jésus. Devant le trône de Dieu, il n'y a pas musulman. Vérité. Devant le trône de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Mais c'est lui, celui qui a donné sa vie à Jésus. Celui qui a marché selon sa parole. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là qui peut rentrer dans le royaume des cieux. Vérité. Parce que Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est la porte du ciel. Sans Jésus, tu ne pourrais pas rentrer. Vérité. Sans Jésus, tu ne pourrais pas rentrer. Vérité. Et toi aussi, tu as Jésus en toi et tu s'amuses avec Jésus. Bien-aimé, marche selon la parole de Dieu. Jésus vous appelle ce soir. Jésus t'appelle. Jésus vous appelle à la repentance, bien-aimé. Repends-toi. Repends-toi des choses. Repends-toi du péché. Repends-toi. Repends-toi, bien-aimé. C'est le moment pour toi. Il est temps. Il est temps pour toi. Il est temps. Il est temps pour toi d'abandonner tes choses. Abandonne tes choses. Il est temps pour toi d'abandonner tes choses. Abandonne tes choses. Tu n'as plus droit. Et tu n'as jamais appelé ton Dieu. Parce que ton Dieu est mort. Et tu es toujours. Tu es toujours dans. Dans l'ignorance. Tu es toujours. Tu es toujours dans l'ignorance. Tu ne voulais pas écouter la vérité. Bien aimé, si tu mets dans ces choses. Bien aimé, si tu mets dans ces choses, tu ne pourras pas hériter le royaume. Vérité. Oui, tu es toujours chez les marabouts. Tu es toujours chez les marabouts. S'il y a quelque chose, tu es toujours chez les marabouts. Bien aimé,
Si tu es encore dedans, si tu es encore dans ces choses, abandonne ces choses. Abandonne ces choses. Abandonne ces choses, parce que ces choses, changent, c'est la mort. Ces choses, c'est la mort. C'est la mort. Si tu as un peu de problème, c'est chez Maou, Marabout. Si tu as un peu de problème, ton Dieu ne pourrait pas, ton Dieu ne pourrait rien faire pour toi, provisiblement. Ton Dieu ne pourrait rien faire pour toi. Mais c'est chez les marabouts. C'est chez les marabouts, bien-aimés. Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. Jésus, il y a la vie en Jésus. Jésus t'appelle. Il y a la vie en Jésus. Il t'appelle. Jésus t'appelle ce soir. Il te tend la main. Il te tend la main, bien-aimé. Il te tend la main. Il te tend la main, bien-aimé. Il te tend la main. Il te tend la main, bien-aimé. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle ce soir. Il t'appelle. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle. Bien-aimé, qui sont chrétiens. Bien-aimé, femmes chrétiennes. Qui sont chrétiens. Ils vont à l'église. Ils sont encore dans les choses de Jézabel. Ils sont encore dans les choses de Jézabel. Le Seigneur nous envoie ce soir pour t'interpeller. Toi qui es encore dans les choses de Jézabel. Tu es encore dans le maquillage. Oui, dans les mèches, dans les bouts d'oreilles. Je te dis la vérité. Ces choses qu'on dit en enfer. Vérité. Ce sont des dieux étrangers. Vérité. Ce sont des dieux étrangers. Je te dis la vérité. Va aller lire ta Bible en Ésaïe. Ésaïe 32. Oui. Genèse 35. Va aller lire ta Bible. Ces choses écrites dedans, bien-aimé. Si tu es encore chrétien, si tu es encore dans tes choses, abandonne tes choses. Abandonne tes choses. Si tu es encore, dans les colons collés, abandonne tes choses. Abandonne les colons. Si tu es encore dans les pantalons, abandonne tes choses. Abandonne les pantalons. Chrétien, répandez-vous. Répandez-vous. Vous êtes remplis dans les églises. Et vous dites que c'est le Père. C'est le Père, c'est le Père. Je te dis la vérité. Matthieu 15. Si c'est juste du père qui vient les mauvais pensées. Vérité. C'est du père qui vient les mauvais pensées, les meurtriers. Vérité. Le mensonge. Vérité. Mais toi, tu as oublié cela. Jésus a dit cela. Tu es encore dans ces choses. C'est le père. Si tu fais le mariage, c'est le père. Notre Dieu est un Dieu mort. Notre Dieu est un Dieu qui ment. Si tu mets les faux cheveux sur ta tête, les faux cheveux, est-ce que Jésus est faux? Question. Si tu meurs possible, est-ce que Jésus est faux? Question. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est possible. Et ils rentrent dans les églises avec ça. Ils rentrent dans les églises avec ça. Est-ce que Jésus-Christ est faux? Question. Possible. Faux. Pantalon. Dans les églises de Dieu. Répondez-vous. Répondez-vous. Jésus vous appelle à la réponse. Jésus te tend la main. Si tu es chrétien, et si tu es encore dans ces choses, tu es encore dans les mèches, tu es encore dans les bouts d'oreilles, si tu meurs, tu ne pourrais pas hériter le royaume des cieux. Vérité. Parce que moi-même, je suis un témoignage vivant. Vérité. Je suis un témoignage vivant, je suis comme toi aussi. Je prends des mèches, je prends des bouts d'oreilles, je prends des choses, des choses ceci. Fais ces choses. Mais ces choses ne pourraient pas me conduire, ne pourraient pas me conduire vers le ciel. Mais le Seigneur s'est révélé à moi. Bien-aimé, le Seigneur s'est révélé à moi. Des choses qu'on dit, de bon nombre de chrétiens en enfer. Vérité. De bon nombre de chrétiens, qui sont pasteurs, qui sont apôtres. Oui, de bon nombre de chrétiens qui sont en enfer. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Réponds-toi de ces choses. Réponds-toi. Abandonne le péché. Abandonne ce péché. Abandonne le péché. Abandonne ce monde. Toi, qui es encore chrétien. Qui est encore des terres. Comment on appelle ça? Deuxième bureau de l'homme. Tu es chrétien, mais tu es deuxième bureau. Il y a deuxième bureau. Il y a ta femme à la maison. Ta femme que tu as mariée devant Dieu, devant les hommes. Tu es à la maison. Et tu as deuxième bureau de l'homme. Réponds-toi de ces choses. Réponds-toi. Si tu mets dedans, si tu mets dans ces choses, c'est le moment pour toi de se repentir. Repends-toi. Repentez-vous, le royaume des cieux proche. L'occasion t'est donnée. Repentez-vous, le royaume des cieux proche. L'occasion t'est donnée. Lavez vos robes, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Jésus est là. Jésus-Christ, il te tend la main ce soir. Il te tend la main. Jésus-Christ te tend la main ce soir. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main ce soir. Jésus t'appelle à la repentance. Abandonne les mèches. Abandonne les mèches. Abandonne les collants collés. Chrétien, abandonne ces choses. Beaucoup de chrétiens sont en enfer.
Beaucoup de chrétiens, ils sont en paix à cause de ces choses. Parce que vous n'êtes pas l'Esprit de Dieu en vous. Parce que vous n'êtes pas l'Esprit de Dieu en vous. Est-ce que Jésus-Christ est faux? Vous mettez ces choses fausses sur vos têtes. Alors que vos cheveux sont comptés. Vos cheveux sont comptés. Vos cheveux sont comptés. Bien-aimé, si tu es chrétien, tu es là. Repends-toi. Repends-toi. Si tu es là, tu m'écoutes. Réponds-toi. Réponds-toi. Écoute la voix des sentinelles. L'occasion t'est donnée. Si tu es dans l'église, on ne te parle pas de ça. Si tu es dans l'église, on ne te parle pas de ça. Mais dis-tu la vérité ce soir. Si tu mets dans ces choses, si tu mets dans ces choses, tu ne pourrais pas voir Jésus. Vérité. Si tu mets dans ces choses, tu ne pourrais pas voir Yeshua. Vérité. Si tu mets dans ces choses, tu ne pourrais pas voir l'agneau immolé. Vérité. Parce qu'il s'est dépouillé de sa croix. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu. Il est venu. Il a pris l'apparence d'un homme. Il est venu sur la terre. Il est Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus est Dieu. Il a pris l'apparence de l'homme. Il s'est humilié sur la croix. Il a versé son sang pour toi. As-tu oublié le prix qu'il a payé pour toi? As-tu oublié le prix qu'il a payé pour toi? Jeune fille. Jeune garçon. As-tu oublié le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour toi sur la croix? C'est le moment pour toi d'abandonner le péché. Il est temps. Il est temps pour toi d'abandonner le péché. Abandonne le péché. Jésus vous appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus vous appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus vous appelle à la repentance. Jésus t'appelle. Jeune chrétien. Le Seigneur a dit, dans 1 Timothée 2, verset 9, que nous devons habiller des savants avec fidèle et modestie. Aujourd'hui, c'est mini-jupe dans les églises. Aujourd'hui, c'est fini jupe dans les églises, les pantalons dans les églises, et les chrétiens et les pasteurs sont là. Ils disent c'est lequel. Si vous pourrez, si vous pourrez dans ces choses, si vous pourrez dans ces choses, vous ne pourrez pas voir Jésus. Jésus, il a versé son sang. Il s'est dépouillé lui-même sur la croix. Il est dépouillé lui-même sur la croix. Il a versé son sang pour vous. Vous les chrétiens qui ne dites pas la vérité à vos fidèles, si vous pourrez dans ces choses, vous allez en enfer. Vérité. Vous allez enterrer en enfer. Vérité. Jésus-Christ, il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Jésus-Christ est saint. Et puis il est le véritable Dieu. Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Et celui qui va marcher avec lui doit marcher avec lui en vérité. Oui, en esprit et en vérité. Bien-aimé, le royaume des cieux est proche. Les temps sont finis. Le royaume des cieux est proche. Les temps sont finis. Le royaume des cieux est proche. Les temps sont finis. Le royaume des cieux est proche. Les temps sont finis. Bien-aimé, le royaume des cieux est proche. Jésus est prêt. Jésus-Christ est à la porte. Il est déjà là. Il est à la porte de ton cœur ce soir. Il est à la porte de ton cœur ce soir. Il est à la porte de ton cœur ce soir. Bien-aimé, il est encore à la porte de ton cœur. Il tape. Ouvre-lui son cœur. Ouvre-lui son cœur. Et il va rentrer. Bien-aimé, il n'est pas créé l'homme pour que l'homme soit fini en enfer. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme marche selon sa parole. Mais aujourd'hui, l'homme s'est rebellé depuis le temps d'Adam, depuis le temps de Noé. Depuis le temps de Sodome et Gomorrhe, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les femmes se marient, lesbiennes, dans les écrits de Dieu. L'homosexuel, dans les écrits de Dieu. Bien-aimé, si tu es encore là ce soir, c'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi de te poser la question. C'est le moment pour toi de te poser la question. Ceux qui sont morts aujourd'hui, ceux qui sont partis aujourd'hui, ils n'ont pas dit qu'ils vont partir aujourd'hui. Mais Jésus-Christ, il tape à la porte de ton père. Repends-toi de ton péché. Repends-toi. Tu connais ton péché. Tu connais ce qui te fatigue. Tu connais tes péchés. Et c'est le moment pour toi d'abandonner ces choses. Il est temps. Il est temps pour toi d'abandonner ces choses. Abandonne ces choses. Jésus-Christ, il te tend la main ce soir. Jésus te tend la main. Il t'aime parce qu'il t'aime. Il te tend la main ce soir. Jésus te tend la main. Jésus-Christ, il t'aime. Il te tend la main ce soir. Jésus t'aime. Jésus-Christ, il t'aime. Tu es encore dans le péché. Il t'aime. Jésus t'aime. Tu es encore dans le péché. Il t'aime. Jésus t'aime. Mais il n'aime pas le péché. Jésus n'aime pas le péché. Non, il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Mais il veut.
Il veut que tu cries dans le péché. Il veut que tu abandonnes le péché. Bien-aimé, c'est le moment pour toi. Il est temps. Jésus-Christ, il est à la porte de ton cœur ce soir. Jésus-Christ est à la porte de ton cœur ce soir. Jésus-Christ est à la porte de ton cœur ce soir. Bien-aimé, repends-toi. 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 Tu sais ce qui te fatigue, bien-aimé. Tu sais tes péchés. Tu sais ce qui te fatigue. Et si tu tournes, tu sais que si tu perds dans ces choses, tu ne pourrais pas rentrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, repends-toi. Repends-toi. Repends-toi, Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. Le royaume des cieux approche. Les temps sont finis. Les temps sont complètement finis. Les temps sont finis. Les temps sont comptés. Les temps sont comptés, bien-aimé. Les temps sont comptés, bien-aimé. Si tu es encore là, abandonne-toi à Jésus. Si tu es encore là, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom, même du personne. Que la paix du Seigneur soit sur votre vie aujourd'hui. Bien-aimés, si nous sommes là ce soir, pas pour nous faire voir ce jour. Pas pour nous faire voir pour montrer qu'on sait parler. Et bien-aimés, nous sommes là pour la cause de Jésus. Nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour témoigner de la grandeur de Jésus. Bien-aimés, regarde un peu. Si tu es encore en vie, c'est par la grâce du Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans 1 Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, quel que soit ton ethnie, quel que soit ton ethnie, quel que soit ta race, que soit ta race. Bien-aimé, le Seigneur a donné sa vie pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur t'aime. Je vais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur Jésus t'aime. Jésus t'aime d'un amour particulier. D'un amour infini. Même la Bible nous dit dans Esaïe 4. Lui, qu'une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles. Même si elle oubliait, moi l'éternel ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Dieu le maître enseigne que ton père qui t'a mis au monde peut te rejeter. Oui. Ta mère qui t'a engendré peut te rejeter. Mais Jésus, bien-aimé, il ne te rejetera pas. Regarde un peu la vie que tu as menée avant. Regarde un peu à ton passé. Regarde un peu à ton passé. Les comportements que tu faisais. Les comportements. La manière d'agir. La manière de parler. Qui t'a pardonné tous ces péchés. C'est Jésus-Christ. Bien-aimé, sans l'Esprit de Dieu, ne sommes rien. Sans Jésus, ta vie n'est rien. Sans Jésus, ta vie n'est rien. Comme la Bible nous dit dans Marc. Marc chapitre 8, verset 36. Et que servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Bien-aimé, je vais te dire ce soir, tu peux avoir tout ce que tu veux. Oui, tu peux avoir tous les biens du monde. Mais si tu n'as pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus. Et que tu fermes l'œil sur la terre des humains. Et que tu fermes l'œil sur la terre. Tu ne seras pas accueilli dans le royaume des cieux. Tu ne seras pas accueilli dans le paradis. Détrompe-toi ce soir. Détrompe-toi. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Toi qui es encore dans les raisonnements. Toi qui es encore dans les raisonnements. Sors de là. Sors de là. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. La Bible nous dit. Et l'Apocalypse 21, verset 7. Que les idolâtres, les enchanteurs. Les efféminés, les impudiques, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. N'hériteront pas le royaume des cieux. Certainement tu auras envie. Quand tu entends la parole de Dieu. Tu entends la parole de Dieu. Tu bafouilles cela. Tu bafouilles, tu rejettes. Tu insultes ceux qui prêchent de Jésus. Tu les insultes. Tu rejettes ceux-là qui parlent de Jésus. Tu les tapes. Mais bien, mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire ce soir. La Bible nous dit. Oui. Je lis des Ecclésiastes chapitre 12, verset 16. Que chacun de nous rendra compte à Dieu. Effectivement. La vie que tu es en train de mener sur la terre. La vie que tu mènes sur la terre. Bien aimé, laisse-moi te dire. Qu'un jour, tu vas répondre à tes actes. Tu vas répondre à tes actes. En bien comme en mal. En bien comme en mal. Ressaisis-toi ce soir. Ressaisis-toi, jeune homme. Pendant que tu es en vie. Pendant que tu es en vie. Va voir un peu les hôpitaux. Oui. Va voir un peu les cimetières. Va fouiller un peu à la banque, bien aimé. Il y a des humains comme toi, moi, qui sont couchés là-bas. Les gens qui t'appellent à partir comme toi et moi, ils sont couchés là-bas. Les gens qui se gonflaient. Les gens qui t'appellent à partir, à qui on ne devait pas donner conseil, oui, sont couchés là-bas. Ils sont couchés. La Bible nous dit, dans un degré chapitre 9, verset 27, que il est réservé un homme
de mourir une seule fois. Et après quoi? Viens le jugement. Viens le mettre. C'est pendant que son vie, tu as tout le temps l'opportunité de te répondre. Oui. Après la mort, il n'y a plus de purgatoire. Après la mort, il n'y a plus de pardon de péché. Ceux qui disent que son âme repose en paix. S'il n'a pas connu Jésus, son âme ne peut pas reposer en paix. Paix à son âme. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de Jésus dans ta vie. Tu n'as pas vécu une vie selon Dieu. Tu n'as pas obéi à Dieu. Et quand tu veux à la parole, là, ils vont t'enterrer. Il dit paix à son âme. Bien-aimé, détrompons-nous. Détrompe-toi. Détrompe-toi de ses paroles. Détrompe-toi, bien-aimé. Parce que si ta vie n'a pas honoré le Seigneur, oui. Quoi que tu aies chanté sur la terre, ton âme ne sera pas sauvée. Quoi que tu donnes de l'eau pour les orphelins, quoi que tu nourris les aveugles, quoi que tu nourris ceux qui sont malades, mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie n'est rien. Quand on commence à dire, moi je suis gentil, je donne de l'argent aux pauvres, oui. Je partage mon pain, bien aimé, c'est vrai. Je suis gentil. Mais est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Pose-toi la question ce soir. La question t'a posée, bien aimé. Oui. Réfléchis un peu à ça. Réfléchis un peu. Donc dis, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Moi, monsieur, un enfant de Dieu. Oui. Il tape la poitrine. Mais est-ce qu'à fond, ta manière de vivre là honore le Seigneur? Ta conduite, est-ce que ça honore le Seigneur? Est-ce que ça honore le Seigneur? La Bible nous dit, oui. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Car les mauvaises compagnies. Car les mauvaises compagnies. Corrompent de bonnes mœurs. Corrompent de bonnes mœurs. Certainement tu ne fumes pas. Oui. Mais tu t'assois avec les fumeurs. Tu t'assois avec les fumeurs. Certainement tu ne bois pas. Certainement tu ne bois pas. Mais tu as des amis buveurs. Tu as des amis buveurs. Bien aimé, si tu n'as pas réussi à la tomber, vous venez dans le Seigneur. Ils vont te détruire. Répands-toi de ces choses. Répands-toi, bien aimé. Répands-toi de ces choses. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Si nous sommes là ce soir, c'est pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Oui. La bonne nouvelle, c'est Jésus. La nouvelle qui sauve. La Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il y a de salut en aucun autre nom. Qu'est-ce que donne aux hommes si ce n'est pas Jésus? Oui. Jésus est le chemin qui mène au salut. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin qui mène Jésus à la vie. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin qui mène au salut. Jésus est le chemin pour aller au paradis. Nul ne peut hériter le paradis sans la voix du Seigneur. Vérité. Certainement tu es là. Quand tu parles de Jésus, tu dis n'est pas Dieu. Tu contestes. Ni la divinité de Jésus. La Bible nous dit, l'œil de Jacques, ne vous prenez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez en pratique. Toi, certainement tu es chrétien, mais tu ne crois pas en ton Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais qui donne Dieu pour venir te dire, oui, on dit Jésus est Dieu, on me demande par A plus B. Bien aimé, tu n'es pas obligé, enfant de Dieu, de faire débat avec quelqu'un qui est dans l'ignorance. Tu n'es pas obligé de faire débat avec quelqu'un qui ne va jamais comprendre la parole de Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Sortons des raisonnements. Sortons de la distraction. Sortons des distractions. Sortons des raisonnements. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Bien aimé, laisse-moi te dire. Moi qui suis au devant de toi ce soir, oui. Je ne suis pas née chrétienne. Moi je ne suis pas née chrétienne. Quand je suis née, bien aimée. Quand je suis née. J'ai grandi. J'ai grandi. C'est pas comme ça que je m'habille. C'est pas comme ça que je m'habille. Je vais dire à une jeune soeur ce soir. Je vais dire à une jeune soeur. Certainement tu es dans le parage. Oui. Certainement tu es à la maison. Certainement tu es à l'église même. Tu entends ces paroles. Tu entends ces paroles. Tu dis moi je vais me mettre dans ce genre de vêtements là. Moi je vais me mettre dans ce genre de vêtements là. Dieu c'est le cœur. Dieu c'est le cœur. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Bien aimé. J'ai mené la vie que tu mènes aujourd'hui. Oui. Mais dans la vie que tu mènes là, j'ai mené plus que ça. Oui. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné mon cœur à Jésus. Et ma vie n'honore pas le Seigneur. Mon habillement n'honore pas le Seigneur. Je m'habille en sexy. Je m'habille comme je veux. Je porte des habits décolletés. Je porte des pantalons. Des collants collés. Après la Bible nous dit, l'un de Deutéronome 22, verset 50. Un homme ne portera point d'habillement de femme. Et une femme ne portera point d'habillement d'homme. Ne fera pas ceci. À qui confère cela une abomination à l'Éternel ton Dieu. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir,
dans ce lieu. Si tu as quoi envie, si tu as quoi envie, si tu sais lire, si tu sais lire, faut chercher à lire la vérité. Faut chercher à connaître la vérité. Faut lire la parole de Dieu. Faut lire la parole, il faut t'acheter une Bible. Comme tu vas sur le marché, bien-aimé. Bien-aimé, il faut lire la Bible. La Bible est réservée pour tout le monde, que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste. La Bible est réservée pour tout le monde. Lis la parole du Seigneur. Lis la parole de Jésus. La parole va te faire du bien. Bien-aimé, quand j'ai accepté Jésus, on m'a prêché sur le dépouillement. Quand mes parents disent vraiment, Dieu dit qu'il ne faut pas porter pantalon. On peut porter la mini-jupe. La mini-jupe. C'est pas pour les femmes. C'est pas pour les femmes. Je dis, ah, on dit Jésus a tout accompli à toi. Et puis vous dites encore, pourquoi on portait ceci, pourquoi on portait cela. Vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué. Bien aimé, quand tu es dans l'ignorance, tu fais débat. L'ignorance tue. Mais bien aimé, quand tu es éclairé par la parole, tu n'as pas à faire débat. Tu ne fais pas de débat. Personne ne peut te convaincre. Tu ne fais pas de tapage. Parce que la parole même te révèle les choses cachées. Bien aimé, je porte aussi les pantalons comme toi. Effectivement. Je porte aussi la colonne collée comme toi. Oui, la colonne collée. Je porte aussi la brame pour monter mon corps à la chaise. Pour montrer en bas de tes aisselles. Bien aimé, je porte les débardeurs pour me promener dans le quartier. Oui. Je porte les habits sexy pour me faire voir. Effectivement. Mais bien aimé, quand j'ai cherché véritablement à croiser le Seigneur, quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai compris qu'avec Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance à avec la parole Dieu, de Dieu, c'est la soumission. La soumission. La Bible nous dit, dans le Jean chapitre 15, verset 7, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, tu aimes Jésus. Tu es encore dans les colons collés. Colons collés. Tu vas à l'église. Tu es encore dans les colons collés. Quand tu portes tes colons là, tu portes même pas un habit qui descend dessus. Bien-aimé, tu fais cela pour que les jeunes frères du quartier le puissent t'apprécier. Bien-aimé, j'ai fait toutes ces choses. Oui. Toi, tu es encore dans ce monde-là. La Bible nous dit, même de 1 Jean 2, 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu as donné ta vie à Jésus. Jeune sœur, tu portes pantalon. Oui, tu es dans les pantalons, jeune sœur. Ta voisine qui n'est pas chrétienne, elle aussi, elle porte pantalon. Où est la différence? Et vous promenez ensemble. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. La Bible nous dit, oui, un des Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Effectivement. Jésus-Christ est les hommes parfaits. Sois imitateur de Jésus. Bien-aimé, soumets-toi à la volonté de Dieu. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Obéis à ton Créateur. Obéis à ton Créateur. Jeune sœur. Jeune sœur. La Bible nous dit. Oui. Dans le livre d'Ecclésiastes chapitre 12. Oui. Verset 1er. Effectivement. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs de ce monde. Mais sache qu'un jour, ton Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, ce jour, c'est quand tu vas mourir là, tu vas aller répondre au ciel. Tu seras devant le trône de Dieu. Tes camarades qui t'ont dit, allons-y dans les bars, allons-y dans les maquis, allons-y couper les gaou, faisons ceci. Bien-aimé, ne seront pas avec toi. Les bandits. Il est temps de te ressaisir. Ressaisis-toi. Il est temps de te ressaisir. Ressaisis-toi. Jeune sœur. Jeune sœur. Abandonne l'impudicité. Abandonne l'impudicité. La Bible nous dit. Oui. De 1 Corinthiens. Chapitre 6, verset 19. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu fais des maquillages. Et tu fais des maquillages. Tu mets des peintures dans tes cheveux. Des peintures. Tu portes des collants collés. Des collants collés. Tu cherches pas, jeune soeur. Tu vas au marché. Tu vois bien les robes qui descendent bien. Entends la Bible nous dit. Dans les 1 Timothée 2, verset 9. Que je veux aussi. Je veux aussi. Que les femmes. Que les femmes. Vêtues d'une manière décente. Vêtues d'une manière décente. S'habillent avec pudeur. S'habillent avec pudeur. Et modestie. Et modestie. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas de toi dans les bric-à-brac. Oui. Toi qui portes les habits. Les habits collants, moulants. Les habits qui collent le corps. Quand tu vas dans le quartier, tu attires le regard des tout le monde te regarde. Tu cherches quoi? Et celle-là, elle a une jolie femme. Hein? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Réponds-toi de ces choses. Réponds-toi de ces choses. Toi qui portes les habits sexy là. Oui.
tout le monde. C'est ta nudité. La Bible donne vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. Ma vie, c'est ma vie. Ma vie, c'est ma vie. Les habits du monde ont chanté. Mmh. Il fait chaud dans ses cœurs. Il fait chaud dans ses cœurs. Bien aimé, c'est vrai, il fait chaud dans ses cœurs. Mais le feu de l'enfer, là, c'est plus brûlant que pour le cercueil. Les temps sont finis. Les temps sont bons. Les temps sont finis. Toi qui aimes les tentures du monde. Bien aimé, Arafat a dit 100 ans de protection. Arafat a dit 100 ans de protection. 100 ans de protection. Où il est aujourd'hui? 32 ans de protection. Je vais dire à quelqu'un. Ça fait pitié. La Bible nous dit oui. Que ceux-là qui fréquentent les marabouts, qui fréquentent les féticheurs, oui, les féticheurs, ne vont pas hériter le royaume des cieux. Jamais. Il a dit dans sa parole, je suis un Dieu jaloux. Oui. Je ne partage pas ma gloire avec un homme. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, toi qui es marié, est-ce que tu as que ta femme découche? En aucun cas. Jamais. L'homme est jaloux. Toi tu es jaloux, elle dit que pas que Dieu soit jaloux. Oui. Bien aimé, la jalousie de Dieu, elle dit une jalousie divine. Une jalousie d'amour. La jalousie des hommes, elle est remplie de folie. Elle est remplie de folie. Oui, folie. Les temps sont finis. Les temps sont finis. La Bible nous dit, dans de chaque chapitre 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui demande à Dieu, bien aimé, si tu demandes l'intelligence, le Seigneur est capable de te le donner. Tu demandes la sagesse à Dieu, il est capable de te l'offrir. La Bible nous dit, dans le Ésaïe 59, que non, la main de l'Éternel n'est point courte, ni son oreille souple nous entendre. Dans nos péchés, nos iniquités, il met une barrière entre nous et le Seigneur. Certainement, tu as dit oui à Jésus. Tu es encore dans la coupe Gaou, la coupe décalée. Tu es encore dans les parts, dans les maquis. Dans les maquis. La Bible nous dit, dans le parcours chapitre 2, verset 15, le malheur à ceux qui font boire les amis de bon matin. Oui. Ton corps est devenu le temple de la poisson. Ton corps est devenu le temple de la cigarette. Oui. Ton corps est devenu le temple, encore bien aimé, de la cigarette, de la drogue, de tout ce que tu connais. La cocaïne. Les temps sont finis. Les temps sont bons. La Bible nous dit, dans l'Ecclésiaste, vanité de vanité. Tout est vanité. Ce monde passera. Oui. Avec ses plaisirs. Avec ses plaisirs. Ce monde passera. Oui. Ces belles filles que tu vois. Ces belles voitures. Ces maquis que tu fréquentes. Oui. Viens de mettre ces pas que tu fréquentes. Ces belles maisons. Un jour. Ton souffle sera arrêté. Le Seigneur va t'arracher le souffle. Effectivement. Où iras-tu? Ah, oui. Où passeras-tu ton éternité? Oui. Où passeras-tu ton éternité? Pose-toi la question. Pose-toi la question. En tant qu'être humain, quand on vit ici sur la terre, on oublie qu'un jour on va fermer l'œil. On oublie qu'un jour on va mourir. Oui. Tu vis la vie comme tu veux. Tu vis la vie comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais quand tu meurs, bien aimé, t'es dégueulasse. Répands-toi ce soir. Répands-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Je vais dire à une maman ce soir. Oui. La Bible nous dit. L'un des 1 Corinthiens, femme, soyez soumise à vos maris. Soyez soumis à vos maris. Tu es chrétienne. Tu es chrétienne. Quand ton mari parle 1. Quand ton mari parle 1. Toi tu réponds 10. Toi tu réponds 10. Et tu vas à l'église. Et tu vas à l'église. Tu fais tes dîmes. Tu payes tes offrandes. Tu payes tes offrandes. Mais bien aimé. Bien aimé. Si ta vie n'est pas conforme. Si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. La Bible nous dit. Oui. Dans une de Matthieu 7:21. Que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il a dit au verset 23, oui. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons ton nom? Il leur dira, arrière de moi, Satan, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, tu peux donner ta fortune à l'église. Oui. Tu peux payer ta dîme. Tu peux payer, bien aimé, acheter un terrain pour le pasteur. Des offrandes de qualité. Tu peux bâtir le temple de Dieu. Oui. Mais si tu n'obéis pas à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu. Ton âme ne sera pas sauvée. 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 Maman,
Amen. Tu as dit oui à Jésus. Tu as dit oui à Jésus. J'ai s'appelé à Dieu. J'ai s'appelé à Dieu. J'ai ton créateur. J'ai ton créateur. Pendant que tu en vis. Pendant que tu en vis. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Pendant que tu es sur la terre. Pendant que tu es sur la terre. Je veux dire un papa ce soir. Oui. Papa. La Bible nous dit, l'homme est le chef de la femme. C'est pas parce que la Bible nous a dit que l'homme est le chef de la femme que tu dois faire de ta femme un cochon. Bien aimé, la femme aussi a un rôle. La femme a un rôle. La femme a un rôle. La Bible nous dit, dans la Genèse, quand le Seigneur a créé l'homme, il a vu que l'homme était seul. C'est Dieu qui a fait la femme pour que la femme vienne de l'homme. Bien aimé, toi qui es marié. Toi qui es marié. La Bible nous dit que les maîtres ne vont pas hériter le royaume des cieux. Les maîtres ne vont pas hériter le royaume des cieux. Les adultères ne vont pas hériter le royaume des cieux. Les adultères non plus. Tu es marié. Oui. Tu as des copines au dehors. Tu as des copines au dehors. Tu donnes 10 000 à ta copine au dehors. Tu as deuxième bureau. Pendant que ta femme est en train de souffrir à la maison. Oui. Tu donnes 5 000 francs à ta copine pour s'habiller. Pendant que ta femme ne gagne pas paille. Oui. Répands-toi, papa. Répands-toi. Répands-toi, jeune frère. Répands-toi. Répands-toi ce soir. Répands-toi. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Répands-toi de ces choses. Répandez-vous. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus te tend la main. 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 La Bible nous dit. Oui. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi. Oui. Vous tous, ils êtes fatigués. Déchargés. Je vous donnerai du repos. Bien aimé, le repos dans le salut. Le repos, c'est en Jésus. La paix se trouve en Jésus. La paix se trouve en Jésus. La qualité se trouve en Jésus. La joie se trouve en Jésus. Bien aimé, il y avait une femme dans la Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 43. La Bible dit que cette femme perdait du sang. Depuis 12 ans. Elle avait tous les pieds. Elle a dépensé tout. Mais elle n'a pas eu la guérison. L'hémorragie. Mais bien aimée, cette femme, oui. Elle a dit en elle-même. Elle a dit en elle-même. Si j'ai pu seulement toucher. Si j'ai pu seulement toucher. Le pan de la robe de Jésus. Le pan de la robe de Jésus. Je serai guérie. Je serai guérie. Cette femme. Elle n'a pas regardé à la foule. Elle n'a pas regardé à la foule. Elle n'a pas regardé aux humiliations. Elle n'a pas regardé aux humiliations. Elle a touché Jésus. Elle a touché Jésus. Elle a été guérie. Elle a été guérie. La Bible nous dit. Oui. Au même instant, qu'elle a touché le Seigneur, quand elle a touché Jésus, le Seigneur a dit, il m'a touché, et ses disciples, qui l'entouraient, lui ont dit maître, pourquoi tu poses cette question, nous sommes nombreux. Et tu dis qui m'a touché. Une force est sortie de moi. Le toucher de cette femme. Oui. Bien-aimé a produit un miracle dans sa vie. Effectivement. Je vais exhorter une maman ce soir. Certainement tu as les pieds. Certainement tu as des maisons. Tu as des maisons. Tu as des comptes bancaires. Oui. Tu as tout ce que tu veux selon toi. Tu as tout ce que tu veux. Mais tu n'as pas encore Jésus. Tu n'as pas Jésus. Il te faut Jésus. C'est malheureux. Cette femme-là, la Bible n'a pas dit qu'elle était pauvre. Oui. Elle était riche. Elle avait des biens. Elle était vachement elle riche. Elle a dépensé tous ses biens. Elle n'a pas eu de guérison. Elle n'a pas eu de guérison. N'est-ce pas pour toi le cas? Oui. Certainement tu as tout. Mais tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la paix du cœur. Certainement tu as tout. Tu as tout. Mais tu n'as pas la guérison. Tu n'as pas la guérison. La Bible nous dit. Oui. Dans Ésaïe 53, verset 5. C'est par la maîtrise de Jésus que nous sommes guéris. La Bible nous dit. Dans Matthieu 27. Tout est accompli. Le voile est déchiré pour ta délivrance, maman. Le voile est déchiré pour ton enfantement. Le voile est déchiré pour ta restauration. Le voile est déchiré pour ton salut. Le voile est déchiré pour ta délivrance. Mais... certainement, tu es là, dans les parages, tu regardes la foule pour donner ta vie à Jésus. Quand tu vois les gens faire la mumio à côté de toi, tu dis, ah, moi aussi, je vais donner ma vie à Jésus. Ils vont se moquer de moi. Oui. Bien aimé. La Bible nous dit qu'il voudra sauver sa vie dans la pédra. La pédra. Ça vous dit quoi? Si tu as eu honte aux yeux des hommes, tu vas payer l'enfer. Laisse-moi te dire ce soir, l'enfer n'est pas réservé pour les justes. Non. L'enfer n'est pas réservé pour toi et moi.
Quand la Bible nous parle de juste, c'est celui qui a dit oui à Jésus. C'est celui qui a renoncé aux œuvres fruitières des ténèbres. C'est celui qui a pardonné sa vieille nature. Quand on dit un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. Obéit à la voix de Jésus. C'est quelqu'un qui marche conformément à la parole de Dieu. Quelqu'un qui marche conformément à la parole de Dieu. Quand on dit chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça veut dire petit Christ. Bien-aimé. Ayons-nous les sentiments. Qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus. La Bible nous dit. Oui. Et Jésus était rempli d'amour. Il est un Dieu d'amour. Un Dieu qui pardonne. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Oui. La Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens 4, verset 24, que si nous, on se met en colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère, et que nous ne péchons pas dans cette colère. Bien-aimé, il a la sainte colère. Et il a la colère selon la chair. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir. Certainement quelqu'un t'a frustré. Oui, quelqu'un t'a frustré. Au cours de la semaine. Au cours de la semaine. Tu dis moi. Tu tapes la poitrine. Moi. On ne me fait pas ça. Est-ce qu'elle me connaît? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais de quelle voie je me chauffe? Est-ce que tu me connais? Tu vas voir. Bien-aimé. Répands-toi de ces paroles. Jésus t'aimait d'un grand amour. Oui. Il s'est humilié pour toi et moi. Il s'est humilié. Si Jésus voulait regarder à nos péchés. Oui. À nos iniquités. À nos calomnies. Bien-aimé, personne ne va rentrer dans le royaume des cieux. Jamais. Nul ne sera sauvé. À cause de l'amour. De toi et moi. Le Seigneur s'est livré à la croix. Il s'est livré à la croix. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Apprends à pardonner. Je vais te dire ce soir. Bien-aimé. Moi que tu vois ce soir. Je n'arrivais pas à pardonner facilement. Je ne pardonnais pas. Quand tu me fais quelque chose. Je vais te rembourser. Je vais te le rendre. Mais quand Jésus m'a affranchi. J'ai appris à pardonner. Il a dit. Dans une de chaque. Oui. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Qui sont ceux qui sont les orgueilleux? Bien-aimé. Toi qui ne pardonnes pas. C'est l'orgueil qui te domine. Toi à qui on ne fait jamais des reproches. C'est l'orgueil qui te domine. Toi bien-aimé. Quand on te dit ce que tu as fait là. C'est pas bon. Tu trouves que la personne est contre toi. Répands-toi de ces choses. Répands-toi. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. La Bible nous dit. Oui. Dans le Galates chapitre 6. Verset 7. Il a dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Jésus. Ce qu'un homme aura semé. Il le moissonnera. Celui qui semera de la chair. Moissonnera la corruption. Bien-aimé. Ressaisissons-nous. Ressaisissez-vous. Pendant que tu es en vie. Le Seigneur te fait la grâce d'être en vie. Bien-aimé. C'est pas à cause de ce que tu as beaucoup d'argent que tu vis. Ne trompe-toi. Les gens ont placé leur confiance dans leur richesse. Oui. La Bible nous dit, 1 de Jérémie chapitre 15, verset 5. Jérémie chapitre 17, verset 5. Maudit soit. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Bien-aimé. À qui as-tu placé ta confiance? Au féticheur. Au marabout. Pose-toi la question. Toi qui fréquentes encore les marabouts. Tu fréquentes encore les féticheurs. Réfléchis un peu à ta vie. Est-ce que ce féticheur, il peut te donner la vie? Il peut te sauver? Non. Est-ce que ce marabout, il peut te sauver? Il peut te donner le salut? Non. Arrête de vendre ton âme à Satan. Arrête de vendre ton âme à Satan. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Oui. Les jeunes. Il dit, je vais avoir la renommée. Oui. Moi, je dois être riche. Je dois être connu par tous. Oui, on doit me regarder.
quand je suis en train de passer là, oui, il faut qu'on parle de moi. Il faut qu'on parle de moi. Je vais marquer ma génération. Je vais marquer ma génération. Les tapes à l'œil. Oui. Les matins vus. Matins vus. Le Seigneur n'en veut pas. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. La Bible nous dit, un des proverbes, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui est riche. Et elle ne la fait sur aucun chagrin. Chagrin. Bien-aimé. Bien-aimé. Les biens que tu as là. Les biens que tu as. Est-ce que tu n'es pas allé voir le féticheur pour avoir tout cela? Yes, sir. Est-ce que tu n'es pas allé voir le marabout pour avoir toutes ces choses? Est-ce que l'argent que tu as là, c'est l'argent propre? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Tu peux partager tout ce que tu as avec les autres. Tu peux partager. Tu peux partager ton bien. Tu peux partager tes biens. Mais bien-aimé. Bien-aimé. Si la source ne vient pas de Dieu. Oui. Un jour, tu te retrouveras en enfer. Tu te retrouveras en enfer. Tu seras surpris. D'être en enfer. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Oui. Toi qui n'as pas encore dit oui à Jésus. Toi qui n'as pas encore dit oui à Jésus. Il est temps que tu vis à Jésus. Il est temps que tu acceptes Jésus. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Jamais. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Oui. Selon Ecclésiastes 8:8. L'homme n'est pas maître de son sou pour le retenir. Vérité. Vis ta vie comme tu veux. Vis ta vie comme tu veux. Fais la joie. Manifeste tout ce que tu veux. Oui. Mais un jour. Mais un jour. Tu seras devant le trône blanc. Tu seras devant le trône blanc. C'est là que tu vas dire à Dieu. Oui. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il n'y a plus de repentance au ciel. Il n'y a plus de pardon au ciel. Il n'y a plus de repentance là-bas. C'est le jugement seulement. C'est ici. Certainement tu es là, tu es un enfant. Quand ta maman te donne des conseils, tu ne coupes pas. Mais c'est les conseils de dehors que tu acceptes. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt bonne mœurs. Tu es dans l'alcool. Maman te dit, mon fils, faut arrêter. Tu dis, maman, tu as fait ton temps. Quand ça m'appartient, c'est mon temps. Laisse-moi mener ma vie comme je veux. Les temps sont finis. Réfléchis à ta vie. Toi qui es homosexuel. Bien-aimé, réfléchis à ta vie. Oui. Toi qui passes d'homme en homme. D'homme en homme. Tu ne peux que couper le gaou. Couper le gaou. Quelqu'un peut dire, je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas appelé. C'est lui-même qui est venu. Donc je vais bouffer bien. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Même si tu es chrétienne. Que tu vas à l'église. Que tu coupes les gaou. Si ce dernier. N'a pas la crainte de Dieu. Si t'en foutes. Ça va prendre. Effectivement. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Jamais. Mais un Dieu d'ordre. Tu n'obéis pas à Dieu. Les dimanches. On dit samedi soir, il est dans les maquis, dans les bars. En train de monter ta cuisse. Oui, en train de danser. En train de souquer. En train de danser pour Satan. Et dimanche. Et puis. Tu t'habilles. Oui. Tu te sapes. Et tu vas t'asseoir à l'église. À l'église. On dit alléluia, tu cries. Bien-aimé, Jésus ne te reconnaît pas. Il te reconnaît pas. Répends-toi. Matthieu 7, 21. Réfléchis un peu à ta vie. Ça te condamnera. Réfléchis un peu à ta vie. Réfléchis. Réfléchis un peu à ta vie. Réfléchis un peu. Toi qui passes ton temps à détruire la destinée des gens. Oui. À lancer des sorts aux gens. À lancer des sorts. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Ressaisissez-vous. Jésus à la porte. Il a dit. Oui. Je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un ouvre. J'entrerai chez lui. J'ai soupiré avec lui. Bien-aimé. Laisse Jésus faire son entrée dans ta vie. Laisse Jésus conduire ta vie. Laisse Jésus t'éclairer. Soumets-toi à Jésus. Et tu verras sa gloire. La Bible nous dit, dans le Jean chapitre 16, verset 24, que jusqu'à présent, vous n'avez rien encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, tu as accepté Jésus comme moi, mais tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas demander à Dieu. On demande mal, raison pour laquelle on ne reçoit pas.
Bien-aimés, les chrétiens sont les plus bénis de la terre. C'est parce qu'on n'obéit pas à Dieu que nos vies tourneront. C'est parce qu'on n'obéit pas à Dieu. C'est parce qu'on n'obéit pas à Dieu que nos vies tourneront. D'ailleurs, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Laisse-moi te dire. Ne mériteras-tu pas? Ceux-là qui fréquentent les marabouts, quoi qu'ils sont dans l'ignorance, oui. Quoi qu'ils sont de vendre leur âme au diable, mais quand le féticheur dit, je veux poulet noir. Ils vont tout faire pour avoir poulet noir. Ils vont tout faire pour avoir poulet noir. Simplement pour obéir au diable. Pour obéir à Satan. Pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent. Pour ce monde. Pour ce monde. Et périr en enfer. Et périr en enfer. Toi et moi. Toi et moi. Les belles créatures de Dieu. Les belles créatures de Dieu. Les chouchous de Dieu. Les chouchous de Dieu. On a choisi Jésus. On a choisi Jésus. Et on n'obéit pas à sa voix. Et on n'obéit pas à sa voix. De toi à moi. De toi à moi. Un père de famille. Un père de famille. Qui donne des ordres. Qui donne des ordres. À sa famille. À sa famille. Et il y a des récalcitrants. Et il y a des récalcitrants. Bien-aimé. Bien-aimé. Les retombées seront pour toi. Les retombées seront pour toi. Réponds-toi ce soir. Réponds-toi ce soir. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Toi qui dis j'ai accepté Jésus. Toi qui dis j'ai accepté Jésus. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Et tu n'obéis pas à sa voix. Et tu n'obéis pas à Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Bien-aimé, il faut que je te dise la vérité. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu as dit oui à Jésus. Tu as dit oui à Jésus. Et tu as le cas. Tu as beau. Tu as le deuxième bureau. Troisième bureau. Tu as le cas pour t'acheter des chaussures. Oui. Tu as le cas pour te faire des mèches. Pour te faire des mèches. Tu as le cas, bien-aimé, pour des pommades. Pour des pommades. Pour des vêtements. Des vêtements. Bien-aimé. Bien-aimé. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Répands-toi de ces choses. Répands-toi. Répands-toi de ces choses. Répands-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. La Bible nous dit. Dans le Lévitique 19, verset 27. Ceux-là qui font des circoncisions dans la chair. Oui. Toi qui as des tatouages, dis ton corps. Les tatouages. Bien-aimé, tu as pris là pour tracer ton corps. Les machines pour te tracer. Pour mettre des médicaments. Pour mettre des médicaments. Bien-aimé, répands-toi. Pour mettre des cœurs sur ton corps. Des gris-gris dans ton corps. Des scorpions sur ton corps. Répands-toi. Des serpents sur ton corps. Répands-toi. 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 Répentance. Répentance. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours sont graves. Regarde, bien-aimé. Toi et moi, remarquez un peu. Il y a trop d'accidents maintenant. Trop. Dans la rue. Partout. Il y a trop d'accidents. Il y a trop d'accidents. Parce qu'on n'obéit pas à Dieu. Parce qu'on n'obéit pas à Jésus. Parce qu'on veut plaire au monde. Parce qu'on veut plaire au monde. On veut faire les matures vives. On veut faire les matures vives. Les yeux vivés. Les yeux vivés. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Moi j'ai de l'argent. Moi j'ai de l'argent. J'ai construit une maison. J'ai construit une maison. J'ai des étages. J'ai des étages. J'ai plusieurs voitures. J'ai plusieurs voitures. J'ai fait ceci. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. J'ai fait cela. Mais bien-aimé. Où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Pose-toi la question. Avec toutes ces maisons-là. Avec tous ces biens. Quand tu vas mourir. Quand tu vas mourir. Les maisons vont rester. Les voitures vont rester. Vont rester. Ton argent va rester. Ton argent va rester. Et tu vas aller dans le tombeau. Oui. Tu seras enterré seul. Seul. Répands-toi de ces choses. Répands-toi. Je n'ai pas dit que l'argent, avoir de l'argent, c'est une mauvaise chose. Jamais. Mais un bien mal acquis, c'est un péché. C'est un péché. Un bien mal acquis, c'est un péché. Un bien mal acquis, c'est un péché. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Réfléchis. Réfléchis. Quand tu étais bien aimé, dans la tête de ta fille, où tu n'as pas encore de l'argent, comment tu marchais? Comment tu te comportais? Aujourd'hui, l'argent t'a rendu orgueilleux. L'argent est bon. L'ajout de l'argent, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Péché grave. Les temps sont finis. Jésus-Christ à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Jeune homme. Répands-toi. Répands-toi. Maman. Maman. Répands-toi. Répands-toi. Jeune sœur. Jeune sœur. Répands-toi. Répands-toi. Sors des maquis. Sors des maquis. Je vais dire à quelqu'un. Ne dis c'est dans maquis à l'argent. C'est dans ma vie, il y a l'argent. C'est dans la poisson, il y a l'argent. C'est dans la boisson, il y a l'argent. C'est dans la cigarette, il y a l'argent. C'est dans la cigarette, il y a l'argent. Si je ne prends pas ça là. Si je ne prends pas ça. Comment je vais nourrir ma femme? Comment je vais nourrir ma famille? Donc, si je n'ai pas eu des gars là. Si je n'ai pas eu des gars. Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais nourrir mes enfants? Oh, oh. Bien aimé. Bien aimé. Le Seigneur qui t'a créé ne te fatigue pas. Dieu
Un gamin ne souffre en toi, ne te vois-tu pas? Ne te vois-tu pas? Ça mène un point limité. Ça mène un point limité. C'est parce qu'on manque de foi. Manque de foi. On n'obéit pas à Dieu. On n'obéit pas à Dieu. On veut obéir à la chair. On veut obéir à la chair. Ah, la Bible nous dit. Ah, la Bible nous dit. Dans Romains 8:8. Dans Romains 8:8. Que ceux qui veulent vivre selon la chair ne seraient plaire à Dieu. Toi qui vis selon ma chair. Toi qui vis selon ma chair. Et tu veux que Dieu te bénisse. Et tu veux que Jésus te bénisse. Tu as mené ta vie comme tu veux dans le monde. Tu as mené ta vie comme tu veux. Tu as coupé les garous. Tu as coupé les garous. Bien-aimé. Bien-aimé. La Bible nous parle de la restitution. La restitution. La restitution. La restitution. Bien-aimé. Restitue tout ce que tu as pris des gens. Restitue tout. Les temps sont finis. Les temps sont bons. Certainement tu es commerçant. Tu es commerçant. Tu es commerçant. Tu es commerçant. Tu es allé en brousse. Tu es allé en brousse. Tu allais faire tes achats. Tu allais faire tes achats. Bien aimé, tu allais escroquer là-bas. Tu allais escroquer là-bas. Il dit ces marchandises là. Ces marchandises là. Tu as jugé le prix avec la personne. Oui. Et en fin de compte, bien aimé, la personne se trompe pour ajouter un supplice sur ton argent. Et tu dis, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu t'a pas béni. Il t'a jamais béni. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu es une voleuse. Tu es une voleuse. Et la Bible nous dit que le voleur ne peut pas hériter le royaume des cieux. La Bible nous dit. La Bible nous dit. Les voleurs là. Les voleurs. Ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Certainement tu es là. Oui. Tu passes ton temps à voler. Tu passes ton temps à voler. Tu passes ton temps dans les braquages. Dans les braquages. Tu passes ton temps à prendre des pièces dans la maison. Des pièces dans la maison. La Bible nous dit. L'un des détenants venait, venait. Que les choses cachées sont à l'éternel. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Certainement, tu es dans le vol. Dans le vol. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Il a dit de lui de. Proverbe 28:13. Celui qui reconnaît. Celui qui reconnaît. Ses transgressions. Ses transgressions. Les affronts. Les affronts. Et les délaissent. Et les délaissent. Obtient miséricorde. Le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te tend la main. Depuis ta position. Depuis ta position. Si tu reconnais ton tort. Si tu reconnais ton tort. Tu reconnais que tu mènes une vie qui ne doit pas le Seigneur. Tu reconnais que tu es pécheur. Et que tu te repens. Et que tu te repens. Le Seigneur prie à te pardonner. Le Seigneur prie à te pardonner. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Pour le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus n'est pas quelqu'un de rancunier. Jésus n'est pas quelqu'un de rancunier. Jésus n'est pas rempli bien aimé de jalousie. Jésus n'est pas rempli de jalousie. Certainement tu es là. Certainement tu es là. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. Quand on parle de Jésus. Quand on parle de Jésus. Tu es énervé. Tu es énervé. Tu veux te lever. Tu veux te lever. Pour aller porter la main à celui qui prêche. Pour aller porter la main à celui qui parle. Je vais te dire ce soir. Je vais te dire ce soir. Certainement. Certainement. Tu peux avoir le pouvoir. Tu peux avoir le pouvoir. De porter la main. De porter la main. Un servant de Dieu. Un servant de Dieu. Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Mais la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Que chacun de nous. Que chacun de nous. Va répondre à tes actes. Va répondre à ses actes. Tu peux frapper un pasteur. Tu peux frapper un pasteur. Tu peux aller bien aimé. Rentrer dans une église. Rentrer dans une église. T'as fouillé tout là-bas. T'as fouillé tout. Vous dites c'est moi. C'est moi. C'est moi qui peux faire ça. C'est moi qui fais ça. Laisse-moi te dire. Ici là, on ne doit pas mettre une église ici. La Bible vous dit. Oui. Dans le des Actes des Apôtres, chapitre 9. Il y avait un homme de la Bible. Il s'appelait Saul. Il s'opposait. Il s'oppose à la parole de Jésus. À la parole de Jésus. Quand il entend prêcher de Jésus. Quand il entend prêcher de il va tuer ces gens-là. Il va tuer. Il rentre dans les églises. Il rentre dans les églises. Pour aller faire des gaffes. Pour aller faire des gaffes. Pour aller embrouiller les gens. Pour aller détruire. Simplement. Simplement. Parce qu'il y avait un démon. Un démon. Quelqu'un qui n'est pas habité d'un démon. Qui n'est pas habité d'un esprit pur. Un esprit pur. Ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. La Bible dit malheur. Malheur. À celui qui conteste. À celui qui conteste. Avec son créateur. Avec son créateur. Le sou de vie qui est en toi. Le sou de vie qui est en toi. Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Tu l'as acheté à un supermarché? Jamais. Tu l'as acheté à ton argent? Jamais. Bien-aimé. Bien-aimé. Réponds-toi ce soir. Réponds-toi. Certainement. Certainement. Tu es dans les parages. Tu es dans les parages. Tu entends l'évangile. Tu entends l'évangile. Tu es gonflé en toi-même. Tu es gonflé. Tu veux te lever. Tu veux te lever. Pour porter la main. Pour porter la main. À quelqu'un. Oui. Bien-aimé. Bien-aimé. La Bible nous dit. Oui. Nain de Somme. Oh. Que l'ange de l'Éternel, Somme 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. La Bible nous dit, l'un des Actes 54, verset 15.
même si l'homme forme des complots contre nous, cela ne viendra pas de lui. Mais quiconque se liguera contre nous tombera sur son pouvoir. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, tes tapages n'effraient pas le Seigneur Jésus. Jamais. Tes gonflements là. Tes gonflements. N'effraie pas le Seigneur Jésus. N'effraie pas Jésus. Si tu ne te repens pas. Si tu ne te repens pas. Des discours. Des discours. Des contestations. Des raisonnements. Bien aimé, un jour. Un jour. Tu vas répondre à tes actes. Tu vas répondre à tes actes. Quand tu seras couché. Quand tu seras couché. Sur le lit des hôpitaux. Sur le lit de l'eau. Tu vas te souvenir. Tu vas te souvenir. De l'acte que tu as posé. De l'acte que tu as posé. Quand on dit. Quand on dit. Tout se paie sur la terre. Tout se paie sur la terre. Quelqu'un dit non. Quelqu'un dit non. On ne paie pas tout sur la terre. On ne paie pas tout sur la bien terre. Bien aimé, avant de mourir. Avant de mourir. Tu vas payer la moitié. 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 Tu vas payer cela. Tu vas payer. Répands-toi ce soir. Répands-toi. Répands-toi ce soir. Répands-toi. Si nous sommes là ce soir. Oui. Bien aimé, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Jamais. Ce n'est pas pour injurer quelqu'un. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un. Ce n'est pas pour insulter une religion. Oui. Ce n'est pas pour s'opposer à ta religion. Jamais. Non seulement la religion ne te sauvera pas. La religion ne sauve pas. C'est Jésus qui te sauvera. C'est Jésus qui te sauve. La Bible nous dit. Oui. Dans le Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité c'est Jésus. La vérité c'est Jésus. Elle t'affranchira. Oui. Si seulement tu obéis à sa voix. Si tu obéis à sa voix. Parce que si tu meurs aujourd'hui là. Si tu meurs aujourd'hui. Bien aimé. Bien aimé.